Alors, le, le modèle qu'on a conçu, c'est un, un modèle de, qui, bon, qui, est, qui est prévu au départ pour faire une simulation de, de piano. Enfin, c'est le, le piano, c'est un cas particulier, on va dire, d'une classe d'instruments plus large qui comporte euh, la, 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 le premier élargissement, c'est tout ce qui comporte tout ce qui est à base de, de, de cordes et de, et de bois, enfin de résonateurs. La table d'harmonie, c'est le résonateur qui, fait, qui va transmettre le son à l'air. Et donc, dans, lorsque, lorsque vous achetez pianothèque, vous avez non seulement un piano, mais vous avez aussi d'autres instruments qui vous, ont, qui vous ont fourni avec, comme par exemple, on a actuellement un clavecin. Il y en a un second qui est en préparation, qui devrait sortir d'ici d'ici quelques semaines ou, ou quelques mois. Euh, on a également fait un modèle de CP80. Le CP80, c'est un piano électroacoustique euh, qui était euh, qui était fabriqué par Yamaha dans les années 80. Il se, il se trouve que c'est comme ça. Euh, c'est un, un piano. Euh, qui comporte des cordes, une mécanique une mécanique similaire à celle d'un piano à queue. Euh, il y a des marteaux, il y a des cordes, mais il n'y a pas de table d'harmonie, il n'y a pas de résonateur. Il n'y a pas de résonateur tout simplement parce que euh, la table d'harmonie est remplacée par des micros qui sont placés sous les, sous les cordes et qui, sont, et qui envoient ensuite le, le son à, à l'ampli. Donc on a un modèle de CP80. Et on, on compte développer comme ça, euh, on développe régulièrement de nouveaux instruments. Sur, surveillez bien ce qui se passe sur notre site parce que d'ici la, la fin de l'année, euh, il y aura de, des nouveautés. Euh, à part ça, évidemment, on travaille sur des, mises, on travaille sur des améliorations euh, du son du piano lui-même. Enfin, euh, on est en perpétuel, euh, en perpétuel chantier sur, euh, sur Pianotech et tout ce qui tourne autour de ce logiciel. Euh, donc PianoTeX se décline sous plusieurs versions. Euh, D'abord, euh, il y a les versions, il y a l'univers PC, il y a l'univers Mac. Donc euh, toutes les versions marchent aussi bien sur PC que sur Mac. Et ensuite, les versions. Donc, il y a la version standalone, c'est une version qui, qui, marche, qui marche toute seule. Standalone, comme dit son nom, ça veut dire qu'il n'y a pas, euh, pas d'autres applications. On n'a pas besoin d'avoir d'autres applications pour faire tourner Piano Il suffit de l'installer, d'avoir euh, les pilotes quand même, de, de cartes-son qu'il faut. Et, et ça marche tout seul. Il y a un petit lecteur de, de fichiers MIDI. Et on peut enregistrer aussi euh, ce qu'on joue. Ça, c'est la version standalone. Ensuite, il euh, y a une version VST. Euh, donc ça, typiquement pour le marché avec Cubase. Et il y a également une version Pro Tools, une version RTS, euh, et là encore, donc aussi bien pour, pour Mac que pour PC. Donc ça, ce sont les versions le, 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 qui, qui tournent sur, sur ordinateur euh, standard, on va dire. Et enfin, il y a une version Receptor. Euh, Receptor, c'est un, un, un PC qui est, qui est conçu pour, pour servir d'autres VST. Pour fonctionner de manière autonome. C est, c est, et ça permet de. Ça garantit en particulier une fiabilité plus élevée qu'avec un, qu un ordinateur PC ou Mac. Et il y a donc une version Pianotech qui, qui fonctionne sur Receptor. Sur